quoi de mieux pour débuter un séjour dans le Doubs qu'une croisière sur le Doubs en bateau électrique, à la barre Manon, et on est au pied de la citadelle de Besançon, parce qu'il faut savoir que Besançon est au centre de la boucle naturelle que forme le Doubs. On y va ? Pédale. On pédale. Passage sont des guides indépendants qui travaillent à vous faire visiter la ville autrement, comme aujourd'hui, là en vélo-taxi. Hein, je vous conduis de rue en rue, voilà, vous êtes tranquillement installés. Et moi je pédale. Et pendant ce temps-là, bah, vous regardez les façades, les petits détails que je vous montre. Mademoiselle. Merci, on y va. Après avoir vu une cave, les surprises ne sont pas finies, on va découvrir les dernières écuries en l'état, dans leur jus, parfaitement réhabilitées et respectées de Besançon, au XVIIIe siècle. Eh ben, allons voir ça. Non, le chat n'est pas d'époque. Hein. Bon, en tout cas, merci de nous avoir ouvert les portes de ces endroits. Ce lieu un peu magique, c'est vrai que les chevaux n'y sont pas. Rappelez-nous les chevaux. L'hôtel de Faltan. Du nom des, propriétaires. Des propriétaires, des premiers propriétaires. Donc c'est un lieu préservé donc qui permet d'évoquer voilà, cette vie qui a totalement disparu de nos villes bruyantes et encombrées. Mais voilà, il faut essayer de, dans ces vieilles pierres, de se rappeler du bruit des chevaux, du bruit des domestiques, des tâches. C'est le paradis du Doubs ici ou... Ouais, c'est le paradis de la Franche-Comté. On a fait une micro-Franche-Comté à nous. C'est un tout petit bout de Franche-Comté, on a fait tout ce qui se faisait sous le même toit. On entend parler depuis ce matin, on n'y était pas encore. Ouais. De quoi il s'agit ? Alors la citadelle, ben, on en parle de plus en plus parce que depuis un an et demi maintenant, on est au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc c'est vraiment quelque chose qui, pour tous les Bisontins, est presque affectif. Et puis, elle est visible de pratiquement où qu'on soit à Besançon. Donc c'est pour nous un repère, on regarde le drapeau s'il y a du vent. Enfin, c'est quelque chose de... voilà, c'est notre emblème à nous. C'est notre belle totem. Vue, monsieur nous a dit, ouais, superbe vue, superbe vue. Ouais. Bon, on va peut-être y faire un tour. Ouais, allons-y. Crapahuté dans les rues de Besançon, et maintenant Besançon est à nos pieds. On se trouve dans la citadelle de Vauban, l'une des plus exceptionnelles de France, et c'est là que notre journée se termine. À super, demain! À demain!